Bonjour. Alexandre. Voici ma modeste fabrique de jouets. Comme tu peux voir, mes elfes et moi avons beaucoup de travail. Et nous faisons tout pour que chaque enfant reçoive le cadeau de ses rêves. Oui, oui, ton cadeau aussi, Boutchou. Les elfes m'ont beaucoup parlé de toi. Un instant, où ai-je mis ta photo? La voilà. Quel courageux chevalier! Tu viens de France, pas vrai? Je sais aussi que tu aimes jouer au basketball. Alexandre, je vois que tu as déjà 4 ans, n'est-ce pas? Encore une chose très importante. Je dois savoir quels enfants ont mérité un cadeau et lesquels doivent encore faire un effort. Tiens, justement, comment étaient les cadeaux de l'année dernière? Étaient-ils jolis? Voyons ce que mes elfes préparent pour cette année. Elfie, apporte-moi s'il te plaît la commande. Oh, merci, Elfie. Maintenant, je sais ce que tu rêves de recevoir à Noël. Je vais voir ce que je peux faire. Cela doit être faisable. Nous avons parlé de cadeaux. Il est donc temps de vérifier la liste des enfants sages. Il n'y a que les enfants sages qui reçoivent des cadeaux, pas vrai? Voyons si je trouve ton prénom sur la liste. Allons voir. Moi aussi, j'ai hâte de vérifier. Je vais te montrer encore quelque chose. Oh, ce tableau m'est très proche. On continue? Notre bibliothèque est un lieu exceptionnel. Personne ne sait où elle commence, ni où elle finit. Chaque enfant a ici son propre registre que je tiens scrupuleusement année après année. Nous allons vérifier ce qui est écrit dans le tien. Re-
registre. Dis-nous tout. Félicitations, tu es sur la liste des enfants sages. Je suis fier de toi. Bravo! Mais pour recevoir un cadeau, tu dois faire des efforts toute l'année. Et souviens-toi, apprends et tu réaliseras tes rêves. À bientôt. Joyeux Noël et bonne année.